quoi ce bordel ? Des consignes du ministère de l'Intérieur. Il vous est demandé de rester chez vous et de n'en sortir sous aucun prétexte. Les troupes armées ont été déployées pour quadriller la ville et toute sortie du périmètre est formellement interdite. La situation est sous contrôle aussi, ne cédez pas à la panique et tenez-vous à distance des individus au comportement suspect. Plus de précisions vous seront apportées dans le courant de la nuit. Sous aucun prétexte. Par ailleurs, les résultats des analyses ne sont pas encore confirmés, mais il semblerait que l'eau courante de la métropole soit un vecteur de contamination. Vous devez donc cesser de boire ou d'utiliser l'eau du robinet. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Putain, j'en... Lui !
Bon, tu m'excuseras, mais faut que je te fouille. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Bah, te sauver la vie. Remarque, possible que je me trompe, hein. Si ça se trouve, il voulait juste te faire un câlin. Oula, t'as pas l'air au courant de ce qui se passe, toi? Bon, fais voir ton sac. T'as pas été mordu ou griffé? Non, non, j'ai pas bu d'eau non plus. Ah, tu viens de la ville? Oui, j'ai entendu quelques trucs à la radio avant que mon ambulance ne tombe en panne. Bah, ici, l'eau est potable, hein. Ils disaient d'éviter les personnes malades, mais pas de les tuer. Bah, et pourtant, que fait l'armée, à ton avis? J'ai entendu quelques tirs hier dans la nuit. Et très rapidement, ça s'est gâté. Bon, c'est comment ton prénom? C'est Salah. Bon, moi, c'est Eric. Viens, on va faire le tour. On peut dire que t'as de la chance, Salah. On habite à l'étage. Et puis, je suis venu me verser une larmichette en douce. J'ai vu tes talents d'acteur. C'est excellent. Une petite goutte? Oh, une petite goutte? Hein? Non, non, merci. Je bois pas, c'est gentil. Très bien, ça en fera plus pour moi. Mais vous êtes nombreux ici? Une dizaine. Comment ça se fait que personne n'a répondu à mes appels, dans le village? Bah déjà qu'à cette époque de l'année, c'est déjà pas bien rempli. Seuls quelques habitants permanents nous ont rejoints. On est sans nouvelles des autres. Putain, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bah j'en sais rien. Bon, on continue la visite? Ouais. C'est votre bar? Ouais, depuis maintenant 2 ans. Sympa la déco. Ouais, avant, il appartenait à mon frère. Puis il nous a quittés. Je suis désolé. Oh, t'inquiète pas. C'est pas une grosse perte. Karim? Ouais. Je t'ai laissé un verre derrière le bar. Ok, merci. Comment tu te sens? J'ai connu mieux. J'ai trouvé un gars qui vient de la ville. Salut. Bon, écoute, quand ça ira mieux, viens nous rejoindre, tu sais où on se trouve. Ça marche. Il m'a dit avoir bu au robinet de la salle de sport hier en fin d'après-midi. Je n'ai pas voulu l'affoler, tu comprends, mais... Te fatigue pas, Eric, j'ai compris, c'est foutu pour moi. Je vais finir comme l'autre épave. Justement, on en garde un ici. Attendez, vous le gardez en quarantaine? Mais c'est juste temporaire. C'est un des locataires de Robert, notre ancien maire. Il est convaincu que l'isolement améliorera sa situation. Mais il espère quoi? Il espère toucher ses loyers. Il veut jamais rien entendre, Robert. Attendez, quand est-ce que vous comptez vous en débarrasser de ça? T'inquiète pas. À la première occasion, je m'en occupe personnellement. Je dois te dire un truc. Oui. Il y a une femme parmi nous. Jocelyne. Elle a perdu ses proches. Enfin, elle n'y croit plus. Donc on s'est tous mis d'accord entre nous. On ne parle pas de ces créatures au chalet. D'accord? Très bien. Puis maintenant, tu me tutoies, ok? Ok. Tu dois être affamé, hein? Oui, grave. Bon, installe tes affaires. De toute façon, ce sera bien à peu près. Très bien. Philippe! Oui! Ah. Attends, je m'habille. Ah, elle était bonne. Oh, tu parles, oui. Glacial. C'est le jeu, hein. Bon, j'ai trouvé un gars dehors. Maintenant, il fait partie du chalet. Hein? Ben oui. Bon, j'arrive. Ok. Ah, personne. Bon, pour se laver, ça se passe en bas. Oh, super, j'en ai besoin en plus. Bon, on va te trouver des fringues et tu pourras y aller après gagne. Ok. Merci, Eric. J'en prie. Ça sent bon ici, hein. Les filles, voici Salah. Bonsoir. Bonsoir. Gaëlle, tu peux aller à la douche? Ok, c'est bon. Robert, Marie-Christine, je vous présente Salah.
Bonsoir. Bonsoir. L'échappée belle, hein. Il a passé la journée sur les routes de montagne. Oh là là, mon Dieu. Raphaël est rentré ? Non. Enfin, moi, j'ai pas vu, en tout cas. Bon. Eh ben, on se retrouve dans la cuisine d'ici... un quart d'heure. Pas de problème. Bien, chef. Alors, comme ça, vous venez d'en bas ? Oui. De la ville. Intéressant. Oui. Vous devez être épuisé. J'ai fini, je vais vous faire un matelas. Bon, bah, c'est bien aimable, merci beaucoup. Je peux vous emprunter la prise ? Certainement pas. Mais oui, bien sûr, c'est une blague. Par contre, vous me la rendez. Hein. Bien sûr. Tout va bien ? Oui, je te remercie, ça va. T'as vu Eric ? Ah non. Parce qu'il te cherche. Okay. Tu devrais aller au grenier, il y a peut-être. D'accord, merci. Et on a un nouveau aussi. D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, on me traîne sur Mac. Le guide n'est pas là, Yannam. Non, on te l'a dit. Et là, vous êtes en train de rassurer votre petite copine, c'est ça ? Non, non, c'est mon père. Ah, votre père, oui. Et remarquez, à votre âge, vous auriez tort de vous priver, hein. Et il faut reconnaître, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. C'est sûr. Salut ! Moi, c'est Philippe, et toi ? Salah. Eh bien, écoute, on se voit tout à l'heure. Eh. Je vous dis ça entre nous comme ça, vous savez, moi tout au long de ma vie, j'en ai fait des maricocus, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est ça. Eh ben moi, j'en ai fait qu'un. Et plusieurs fois même, si tu vois ce que je veux dire. À table, dans 10 minutes. Ah. Avec sans moi, il serait déjà mort. Hein. Ouais, j'entends bien. Tiens. Et puis, c'est un bon gars. Tu le connais ? Non, mais je l'ai vu. Très bien. Ça va, les jeunes ? Écoute, on fait aller. Hein. Tiens, jette un oeil sur ça. Ah, vous avez pas pu détailler ? Il doit y en avoir d'autres, hein, mais regarde-moi ce bordel. Non, mais te casse pas la tête, Eric, ça fera l'affaire. T'es sûr ? Ouais, sans souci. Quand voulez-vous aborder le sujet ? Dès ce soir, mais on va pas l'armer tout le chalet. Hein. De toute façon, il va falloir envisager d'autres solutions. Hein. Ben, ça marche. Ok, descendons. Il commence à faire faim, tu vois ? Et soif aussi, hein. Salut. Il paraît que t'as besoin d'affaires. Il paraît, ouais. Merci. Chemise de bûcheron. C'est sympa. Il y a un carnaval quelque part. C'est une des miennes. Ah, là, ça change tout. Allez, on va manger. On t'attend. Ok. De rester chez vous et d'éviter tout contact avec les personnes infectées. Elles témoignent d'une violence inhabituelle. Ne les approchez pas. Il en va de votre santé. Combien ? En cas de griffure ou de morsure de la part d'un contaminé, vous devez impérativement demander à vos proches de vous enfermer en quarantaine. Les forces armées patrouillent dans le quartier. Bon, ça, on l'a déjà entendu. Bien.
Avec l'arrivée de Salah, on est maintenant 10 au chalet. Allez. Et Karim, quelqu'un a des nouvelles? Il tient le coup. Ce matin, l'épicerie de Philippe s'est fait attaquer. Oui, j'étais seul dans mon épicerie, ils sont arrivés à 4, ils ont tout ravagé. Putain. Alors il m'a appelé, je suis venu le chercher, on a pris ce qui restait, puis on est parti. Ah, vous avez bien fait. Ah oui. Qui a fait ça? Rio. C'est un gars du coin, personne le porte vraiment dans son cœur. Ah ben, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un ancien para. Ça va faire 20 ans qu'il a été radié de l'armée. Oui. D'ailleurs, on n'a jamais su pourquoi. Si. Hein? Ah bon? Ouais. J'ai entendu parler qu'il avait séquestré et battu des jeunes. Attends, tu racontes ça, tu dis ça, t'as des preuves? C'est peut-être simplement un bizutage qui a mal tourné, c'est tout. Hein? Oui, mais enfin, il a été radié. Oui. Non, mais on sait bien que ce type, il est pas net. Hein? Qui, ici, n'a jamais eu de problème avec Rio? Moi? Non, mais parmi ceux qui vivent ici, Robert. Oui. Qui, moi? Personnellement, mais j'ai jamais eu un problème avec lui, non? Rien? Oh, bah si, quand même, Robert. Non? Oh, bah quand même, Robert, si, hein. Quoi? Bon, on l'a relancé 2 ou 3 fois pour qu'il paye son loyer, c'est tout. Bah non, mais je veux pas parler de ça, moi. Tu parles de quoi? Mais je te parle de la fois là où il a pété ton rétroviseur, puis que t'es resté là à rien faire. Mais arrête, ce jour-là, c'était pas de sa faute, c'était involontaire. C'était involontaire? Non mais je rêve là. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, et là, on s'égare. Hein. Là où je voulais en venir, c'est qu'on a réussi à composer un garde-manger, mais d'ici quelques jours, il y aura plus rien. Ouais, mais enfin, je veux dire, si on accepte tout le monde aussi, hein. Attends, prends pas la mouche, dis pas ça pour toi, hein, ça là. Bon, ce qui est certain, c'est que tous les gens qui sont dans le chalet, ils sont en sécurité. Voilà, c'est ça l'essentiel. Oui. Mais si la situation s'améliore pas dans les prochains jours, il va falloir prendre des décisions. Bah quoi? Raphaël a un plan. Ouais, voilà. Je voulais vous montrer quelque chose. On a trouvé cette vieille carte. Alors, d'après les informations qui balancent en boucle à la radio... Ouais. Le périmètre de sécurité établi par l'armée s'étend de 40 km d'est en ouest et de 50 km du nord au sud. Mais alors, c'est bidon, il est bidon ton plan. T'as rencontré des militaires, toi, dans les ruelles à côté? Non. Eh ben alors. Mais pour combien de temps? J'ai entendu qu'ils avaient déployé plusieurs troupes en direction de la montagne. Mais sauf qu'ils font le nettoyage. De quoi? Ouais. Ouais, il a raison. Je comprends pas, là, t'es en train de nous dire qu'il faut qu'on quitte le village parce que l'armée va venir ici pour nous tirer dessus. Non mais t'es malade, c'est le contraire, ils viennent pour nous défendre, alors écoute, arrête quand même. Non mais j'ai jamais dit ça, hein. Mais on est en droit d'avoir quelques doutes. Oui. Écoutez, moi j'ai quitté la ville hier en pleine nuit. J'ai entendu des tirs, il y avait des cris de partout, ça pétait dans tous les sens. Bon, j'ai pas vu de face, mais... Mais c'était pas forcément l'armée. Oui, je suis d'accord avec toi. Rien ne prouve qu'ils peuvent pas tirer sur les civils, comme ça, sans vérifier la moindre morsure ou quoi que ce soit. Non mais c'est vrai. Mais vous entendez ce qu'il dit, là? Non, attendez, tu délires, je vous arrête tout de suite, les mecs. Mais où vous allez, là? Bon, regardez. En admettant qu'on arrive aux Rocailleuses en voiture. Oui. On pourrait continuer à pied pour atteindre les plateaux. Bon, oui, ça risque d'être un peu physique. Mais en coupant par un des trois lacs, on arriverait de l'autre côté de la chaîne. Arrête, mais tu délires, mon pote. Mais attends plus bas, ils vont nous repérer. Mais on s'en fout qu'ils nous repèrent. Écoute, laisse-moi parler, je lui parle. Alors la ferme, hein. Alors je vais dire, non, on est ici, hein. On est tranquille, on n'a pas de problème, on a un toit, on a à bouffer, on est hors de danger, alors tais-toi. Robert, oui. Tu te calmes? Non, je m'énerve pas. Si tu t'énerves. Je suis très calme. C'est lui qui m'énerve avec ses histoires de possession aussi. Hein? Putain, mais t'as picolé ou quoi? Non, pas encore. Je crois que c'est l'heure. Oui. Et vous, les filles, on vous entend pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Une randonnée intergénérationnelle, pourquoi pas?
Elle se marre, non mais oh, c'est Robert, n'importe quoi. Ça va, c'est pour rigoler. Pour rigoler? Bah moi ça me fait pas rigoler, toi. J'ai assez entendu de conneries, moi, je me casse. Non mais, Robert, il s'agit pas de prendre une décision ce soir. Hein. Je crois que chacun a un grand besoin de se reposer. Mais de ce côté-là, je suis d'accord avec mais toi. Mais on rencontrerait sûrement d'autres personnes sur le chemin. Qui? De Pecno avec un bûcheron? Arrête, arrête. C'est moi qui vous fais marrer, là? Mais, qu'est-ce que t'as quoi? N'importe quoi. Oh, Robert. Bah, foutez-vous de ma poire, là. Je me casse. Bon, là, 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 là. Qu'est-ce qu'on boit? Eric, t'aurais pas un petit digestif? Si, quelle question! Bon, bah, messieurs, pour ce soir, ça sera sans moi. Bah, Marie-Christine, un petit verre. Non, merci. Mon mari m'a déjà saoulé. Bon, faites pas attention, hein. Parce que vous le connaissez, il est soupolé, mais il ferait pas de mal à une mouche. On le sait bien, Marie-Christine. Allez, dormez bien. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Attends-moi, Marie-Christine. Je viens avec toi. Bonne nuit, Jocelyne. Hein. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. J'arrive. Tu déménages? On peut rien te cacher à toi. Hein? Tu en sors? Oui, ça va. J'ai pris le coup de main. Ce sera le dernier pour ce soir. Ouais. T'es prête? C'est parti. Allez, va. Tu peux te coucher. Sûr? Ouais, c'est Philippe qui sera de corvée de vaisselle ce soir. Merci. Bonne nuit, Eric. Bonne nuit. À demain. Vous êtes sérieux? Ça va quoi? T'en veux? Ça ira, merci. Bon, c'est les CE1 et les CE2. C'est mignon. Ouais. Enfin, l'année dernière, j'avais quelques excités, mais cette année, ça va. Enfin... Et attends, ils sont en ce moment, tes élèves, là? Ah non, 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 non. Non. Ouf, Dieu merci. Oh. Non, ils sont en sortie scolaire. Au Futuroscope. Oh, je connais pas, j'ai jamais été. Et toi? Moi, je suis ambulancier. Voilà. Mm. Et Gaëlle, qu'est-ce qu'elle fait? Gaëlle, elle a été envoyée ici parce que ma mère et mon père sont en voyage. Donc ma mère a eu la brillante idée de l'envoyer ici pour travailler son rattrapage. Rattrapage de quoi? Lettres. Mm. Mm. Elle a l'air d'une chieuse comme ça, mais elle sait être adorable. Ok. Et toi? Ah bon. Toi, tes parents, ils sont où? Mon père, il est resté à la capitale. Voilà.
Ah ben, comme... vous êtes gonflé, là. Bah comme tu vois, on t'a pas attendu, hein. Tiens, serre-moi un verre, tu te rendras utile. Et si un jour on avait dit qu'on commencerait à picoler sans toi, jamais j'aurais cru, hein. Eh ben, vous avez pas perdu de temps, hein. Bah, elle est bonne, ta poire, qu'est-ce que tu veux? Je vois ça. Mais enfin, on t'en a laissé quand même, regarde. Et puis tiens, pour moi aussi. T'inquiète pas, je vais rattraper ça en deux minutes. Ah bah ça, je me fais pas de soucis, hein. Ça, Je te signale que t'es de corvée. Hein? La vaisselle, c'est pour toi. Ah non, mais attends, tu veux que je te dise ma corvée? C'est que tu m'es mis à dormir dans la même piole que l'autre tarde de Robert. Ça pue. Oui, c'est ça. Oh, purée, eh ben, dis donc. Tiens. Et au fait, je te dis pas merci, hein. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris, là, de ressortir cette vieille histoire du rétroviseur? Bah quoi, j'ai rien inventé, c'est la vérité, non? Non, mais attends, c'est la vérité, mais hey, j'ai quand même été leur mère pendant 15 ans. Et hein? Alors? Bah t'imagines, toi, 15 ans? Alors? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Bah j'ai une dignité à défendre, moi. Et ça, c'est mon chien. C'est ton chien, ça? Oui. Non, tu rigoles. Il est super moche. Quoi? Mais non, il est pas moche. Non, je t'écoute pas. Il est pas... Regarde. Bah oui, c'est un chien, quoi. Il est moche. Non, il est pas moche. Si, tu dis qu'il est moche, il est pas moche. Regarde, il te ressemble. Oh. Oui, ça vient. Bien, Robert. Ah, elle est trop bonne, sa poire. Et ça, c'est nos dernières vacances. Oh, c'est sympa. Hmm? C'était où? Ça, c'est dans le sud de la France, à Aubagne. Hmm. Ah, ça, je te reconnais tout de suite. Ça, c'est toi. Non, c'est ma sœur. Ah bon? Hmm? Vous avez les mêmes yeux? Hmm? Bah oui. Oh, c'est pas possible. Ils peuvent pas la fermer et la mettre en sourdine un peu. Hein? Chut, tu peux pas dormir, toi. C'est à moi que tu dis chut et tu leur dis rien. Non, mais c'est la totale, là, quand même. Mais tais-toi, Robert, je voudrais dormir. Oui, tu veux dormir, mais je suis sûr qu'ils sont en train de se foutre de ma tronche. Mais... Oh, mais c'est pas possible. On rigole, mais j'aimerais pas être à la place de Marie-Christine. Hein. Ah bah, oui, mais jusqu'à te dire que j'aimerais pas être à la place de leur chien. Tais-toi. Cette fois, ça suffit. Je suis dégueu. Robert, mais vas-y doucement. Robert. C'est pas possible, ça a 15 ans. 15 ans, oui.
Qu'est-ce qui se passe? Prenez les armes.
vois quelque chose ? Rien du tout. Et puis tout à l'heure, ils ont pas l'air d'avancer. Hein. On ferait mieux de se barrer d'ici, qu'est-ce que t'en dis ? Ah ouais ? Et pour aller où ? J'en sais rien. Bah alors ? Si, 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 tire au moins de mouvement, on pourrait essayer de se planquer, je sais pas, dans un village, non ? Hein ? Et puis, si, on trouvait un endroit sûr. Se planquer ? Hein ? Ouais, va expliquer ça à Rio. Franchement, Ludo, c'est pas clair ce qu'il attend de nous. Autant se barrer maintenant, tant qu'on peut. Eh oh oh, qu'est-ce qui se trame ici ? Tu fous ma gueule ou quoi, Bernard ? Je suis bien seul pour surveiller. Ouais, va aider les autres. Passe. Hein ? Ils sont encore loin. Ah, ça tire par intermittence. Ouais, tu m'étonnes. Fouille de fond en comble. On a encore trouvé plein. On va avoir besoin de toi. Moi ? Tu reviens jeter un œil dans 10 minutes. Allez. Pas savoir qui c'était, tu vois. Le gars, il arrive vers nous, t'aurais voulu que je fasse quoi ? Fallait bien se protéger. Donc moi, je les connais directement. Écoute, si elle t'en parle, tu la laisses pleurer. Elle a compris que tu les avais sauvés. Prendre une décision, là. Ouais, je suis d'accord. Oh la vache. En tout cas, très bonne idée. Et merci. En plus, on va être obligé d'y aller à pied. Pourquoi ? J'ai pas d'essence dans la voiture. J'ai laissé le bidon au chalet. J'ai presque plus de batterie. Les garçons feraient mieux de descendre. Ça a trop duré, là. On peut pas y retourner. Il faut continuer, Jocelyne. J'ai plus de force. Bon, tu nous emmènes où ? On va en direction des villages supérieurs. On risque encore de tomber sur ce genre de truc. Non, je connais ce coin comme ma poche, on va contourner. Quoi au juste en fait ? Je suis moniteur d'escalade. Faites-moi confiance. Bon, c'est quoi le plan ? On va le plus haut possible. Et dans l'idéal, on passe de l'autre côté. Si vous voulez mon avis, tout ce cirque n'est pas nécessaire. Ça vous mènera nulle part. Ouais, c'est ça, ouais. Quand j'aurai besoin de tes conseils, je t'appellerai. Ces choses-là, là, ils se nourrissent de sang. Tu devrais me dire merci. Certes. Mais que comptez-vous en faire par la suite ? Les tuer ? Ben, s'il faut, oui. En attendant, ils vont nous servir de rempart. Bon, écoutez. Je me moque éperdument de ce que vous manigancez. Maintenant, soyez sympa, vous. Vous n'avez plus rien à faire ici. Partez. Ouais, calme-toi, toi.
On va pas tarder. Nous rattraperons, Rio. Et vous serez condamné pour vos actes, vous le savez. Ouais. Pour ça, il faut qu'il me mette la main dessus. Ou que quelqu'un me balance. T'es du genre à dénoncer, toi? Hein? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, c'est quoi ces bidons? Rien d'important. Et à part ça, à part les chevaux, faites quoi? Oh, juste quelques cochons. C'est bon, ça fera l'affaire. Comment ça? Les gars! Les gars! Oh! M'embarquez l'étagère! Ça fait presque une demi-heure qu'elle ne répond plus. C'est fini pour elle ce soir. Gaëlle, tu dois rester forte. Ok? Encore. Je sois loué. J'étais désemparé. Je pensais pas trouver d'autres personnes par ici. Vous venez d'où? Je me suis échappé d'en haut. Mesdames. Jean-Yves. Raphaël. Salah. Vous vous êtes échappé. Il y a des personnes contaminées là-haut? Moi, je pensais qu'à une chose, c'était passer une retraite heureuse. Mais... Moi, c'est partout pareil. Oui, mais... Il se passe des choses pas claires en haut. Il y a des gens qui profitent de la situation pour foutre la pagaille et pour se piquer des gros délires. C'est ça. Il y a un type assez costaud avec un accent marseillais. Il a même enrôlé des gars avec lui. C'est lui, c'est Rio. C'est ça, voilà. Les types, ils sont pas méchants, mais ils sont à ses ordres. Ils sont armés. Faut pas rester ici, hein. Faut descendre. Non, 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 non. Non, 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 on peut pas. C'est sûrement pire en bas. Alors encore, il y a l'armée, il faut pas les croiser. Alors on fait quoi? Vous n'avez pas de voiture? Non. Sinon on serait pas à pied. On peut pas en piquer une en bidouillant les fils, il n'y a pas une astuce? Hein? Bah, pourquoi vous me regardez? Eh, parce que ça nous serait bien utile, tiens. Bon, ils sont basés où? Bah, quand je me suis évadé, ils occupaient la ferme. Et le centre équestre. Je vois où c'est, ouais. Bon, de toute façon, il va falloir passer de l'autre côté de la montagne. Raphaël connaît bien le chemin, donc... Le petit problème, c'est qu'on passerait forcément devant Rio. Mais attends, t'avais pas parlé d'une chaîne rocailleuse ou je sais plus quoi, là? Si, je l'envisageais, mais j'étais pas sérieux.
T'es juste pour chambrer Robert. Si c'est pour risquer de me casser quelque chose, ce sera sans moi. Moi, je boite déjà comme un canard. Je peux pas, là, hein. Pour passer de l'autre côté, on doit arriver au lac. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Il ressemble à rien. Merci. Alors, on a deux solutions. Soit le chemin le plus long et Rio se trouve dans les parages, soit le plus court, mais assez dangereux en passant par le col du Périple. Le quoi? C'est le nom de la montagne, le Périple. Non. Allons-y. Hé, jambe-le. Vas-y, non, mais où là, t'attends. Prends-lui, là, là, non. C'est tout, mais je fais que ça. Ouais, mais s'arrête pas de bouger, là. Là, je suis là. Hé. Oui, lui, lui, lui. Allez, on tourne, vas-y, fais tourner, fais-le. Attends, fais tourner, fais tourner. Fais tourner, fais tourner. Hé. Je suis là, là. Je suis là, je suis là. Viens ici, toi, t'es beau, toi. Viens, non, lui, il est pas mal, là. Lui, lui. Oui, mais oui, il est tout le temps. Rio. Ouais. Puisque vous pillez tout ce qu'il me reste, je peux vous demander une faveur. Là, lui, 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 là, lui. Mais putain, mais mets-le sur le côté. Dis toujours. Un de mes chevaux a été contaminé. Pouvez-vous m'en débarrasser sans effrayer ceux des boxes d'à côté? Allez, allez, allez. Viens ici, viens toi. Tout va bien ça? Voilà, voilà, voilà. Ludo, Bernard, quand vous avez terminé, vous me suivez. Ok. Mais il est là. Non, celui-là, il est mieux. Allez, 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 allez. Mais non, mais vas-y. Allez, allez. Allez, ici, là, regarde, c'est plus compliqué, là. Je peux pas. Ce sera sans moi. Et tu le sens comment, toi? On n'a pas le choix, de toute façon. On va pas y arriver toute seule. Oh, mais je viens avec vous, moi, les filles. Je vais pas vous laisser tomber. Merci, Sala. Bon. Trouverez des flèches tout le long qui vous indiqueront la direction du col. Pour arriver là-haut, vous devez redescendre. L'idée, c'est de se retrouver au lac. Il y en a pour combien de temps, là? Pour arriver au col, il faut au moins 1h30. Mais vous pressez pas, hein, il peut y avoir des éboulements. Okay. En revanche, pour ce qui est de redescendre, j'en sais rien. Ça, j'ai jamais fait. T'es pas sérieux, hein? Non, mais tu nous envoies quelque part où t'as jamais été? Oh, on y va, les filles. Je ne veux pas me retrouver face aux armes, et c'est pareil pour Gaël. Non. Mais je vous préviens, il n'y a plus de réseau. Ouais. Je te prends ça. On y va, les filles, go, go.
Vous êtes des cyniques. Ah ben, on s'adapte. Tout le mieux que ça. Oui, c'est pas un peu foutu de notre gueule, là? Non, Justine, on s'arrête pas. On peut pas passer la nuit ici. Hors de question. Allez, on y va. Souffler. C'est plus de mon âge. Essaye de me trouver un endroit et laisse-moi seul. Bon. Restez ici. Je vais voir si on peut s'abriter quelque part. Suis vite. Restez ici, c'est des malades. Non, pitié, je suis à bout. Écoutez, ils ont parqué plein de gens à côté. Faut pas traîner dans le coin. Mais de quoi tu parles ? Regardez-moi sur qui on tombe. J'aime pas les déserteurs. Rio, on veut pas d'embrouille. Tu fermes ta gueule, acrobate, ok? Toi, tu sais ce qu'on fait au mec dans ton genre en temps de conflit? Arrête, il a rien fait de mal. Mais de quoi je me mêle? Tu baisses d'un ton. J'ai bien une idée comment vous allez être utile. S'il y en a un qui émet une réserve. Faites un pas en arrière. D'accord. On vous suit. Ah ben voilà. Oh.
Ludovic est arrivé? Non, il est reparti observer. Rio, comment ça se passe en bas? Il y a du nouveau? Je t'en regarde pas. Surveille. Surveille! Oh, du con! Ah, c'est toi. Ouais, qui tu veux que ça soit? Bon, Jackie, ça se passe bien? Tout va pour le mieux. Ils ont acheté des infos? Pas pour le moment. Là, ils font les coriaces. Ils veulent me faire croire qu'ils ont croisé personne. Ça viendra avec le temps. Le vieux a soif. Depuis tout à l'heure, Jackie arrête pas de le narguer en buvant devant lui. Faut lui en donner à la fin. C'est vrai ça, Jackie? Ouais. C'est bien, t'apprends vite. Merci. Et Bernard, tu sais que c'est pas bien de rapporter? S'il vous plaît. Rio, je t'en prie. Tu vois bien qu'il a pas l'âge pour un tel traitement. Il fait une chaleur pas possible ici, il est crevé et puis... Ces cordes sont trop serrées, là. Mais heureusement qu'elles le sont. Il manquerait plus que ça que vous puissiez vous échapper en claquant des doigts. Et oh, 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 oh. C'est pas la semaine, t'as l'assaut, hein. Vous voulez un massage? Rio! Oh, quoi, Rio, Rio, Rio? Eh, on peut déconner, non? Bon, Jackie, il donne un verre d'eau, vieux. Pauvre con. Allez, bois. Ça suffit, il n'y a rien qui justifie de faire ça. Eh oh Bernard, Bernard, tu prends des initiatives maintenant? Ça y est, il te pousse des poils. Je refuse. Je refuse de leur infliger une torture, quelle qu'elle soit. Et tous comme durs. T'es pas en mesure de refuser, Bernard. Il y a tout qui justifie ma méthode. Sans moi, vous seriez perdu. Mais mets-toi un peu à leur place. Ça suffit. Tu dérailles. Il y a quelque chose qui tombe par an chez toi. Tu les laisses partir et nous avec. C'est quoi, Bernard? Il y a que... C'est toi qui vas prendre leur place. Quoi? Rio, n'en fais pas ça. Rio, non, s'il te plaît. Ça suffit. Fais pas ça. Bernard, au moindre faux pas, à la moindre contestation, tu prends du plomb dans l'aile, compris? Compris, chef, ça se reproduira plus. Attends, Bernard, pour me montrer ta loyauté, prends ton fusil. Quoi? Prends ton fusil! Joue pas au con, Bernard. Vas-y, pointe-le. Rio, s'il te plaît. Vas-y, pointe-le. Rio, ça sert à rien de l'intimider. Ta gueule! Bernard, montre-moi si t'as des couilles. Je peux pas. Allez, bute-le. 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 Je peux... Bute-le. Je peux pas. Vas-y, bute-le. Vous n'arriverez à rien, Rio. Que vous soyez ou non entouré d'une bande de bras cassés, le problème, c'est vous. Vous êtes une merde, Rio. Un ancien militaire qui, dans le meilleur des cas, finira en prison. Votre mère doit être honteuse d'avoir mis au monde un déchet comme vous. De la part de ma mère. Putain, ma mère, c'est enculé, là.
Rio, ouais. Il y a des gens qui arrivent en face par le col du périple. Ils sont combien? J'en ai vu que trois pour le moment. Des militaires? J'en sais rien. Armés? Putain, mais tu sais rien, toi, hein? Bon, récupère les bidons. Putain, Martin, la mobilette, allez. Jackie, oh, passe-moi les bidons. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est juste un mec qui est mort, ça. Bon, ouais, on va voir ce que ça va donner. Hein, Bernard, tu me vires le cadavre. Putain, quant à lui. Lui, putain, vous me le gardez au chaud. Puis si les militaires arrivent, vous le mettez en première ligne. Lui et sa chaise. Comme ça, on sera fixé sur leurs intentions. Les bidons. Les bidons. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Allez, bouge. Oh, bouge-toi un peu. Oh là là. Évite d'en mettre à côté. Mais il me met tout à côté. Oh, allez, c'est bon, ça va nous les booster pendant un moment. Ludo, allez en voiture. Ouais. Et tu redescends. Et après, tu me les fais tous. Ouais, t'as bien compris, hein. Faut laisser faire les pros, Bernard. C'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu fais bien tout ce que te dit Rio, il n'y aura pas de problème. Par exemple, merci. Les clés de la bagnole sont dans ses poches. Allez, venez avec moi. Non, non, non. Rio va me faire la peau. Je préfère descendre. Martin, tu peux y aller. Passe-moi le corps. Ah, le corps. Toi, t'as intérêt à démarrer. Oh.
Merde. Il y en a par là. Tu sais que c'est marrant parce que le mérou, quand il naît, il est mâle et en vieillissant, il devient mérou femelle. Ça veut dire qu'il change de sexe. C'est génial, non? Bon, je sais que ça ne me regarde pas trop, mais qu'est-ce qu'on leur a donné au juste dans le sang des cochons? Un petit remontant. C'est-à-dire? Des anabolisants pour chevaux. Ah. Raphaël ! Tu crois qu'il est là ? On va vite le savoir. Je vois rien, moi. Wow ! Doucement. Qu'est-ce que vous foutez là ? Doucement. On a besoin d'aide, monsieur. De quoi ? De l'aide, il se passe jamais rien ici. À part des emmerdeurs comme vous, randonneurs et touristes. Mais justement, on n'a rien de tout ça. On fuit des enragés, en fait. Et tout ce qu'on veut, c'est se cacher. Des enragés ? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades ? Mais c'est pas des salades ! Mais des enragés de quoi ? Bah du genre, si vous mordez, vous allez finir comme eux. Ah ouais, c'est du sérieux, ouais. Bah oui. Bah oui, mais fallait le dire plus tôt. Malheur, ils ont l'air excités. Parfait. Ils sont combien ? On sait pas trop, en fait. Ouais. Avec ça, on va leur foutre la trouille. Mais sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Tiens. C'est dans la tête qu'il faut viser, sinon ça compte pas, Guy. T'es sûr de ça ? Oui. Certain. C'est bon, on peut y aller. Le con.
suis désolé, mec. Ah, fier enculé. De la part de ta mère. C'est Raphaël! Allez, venez! Allez, montez! Allez, démarre ça là!